pays d'Haïti chargé problème dans dernier jour ça yo. Mesdames, messieurs, vite l'homme décidé pour ne pas suspendre la bataille avec le mensonge. Mais qui ça que la cause, guerre ça pas qu'à fini. Pour qui ça, guerre ça durer comme ça. Qui ça que la cause, vite l'homme devrait dans niveau ça. Mesdames, messieurs, je ne parle pas de chiffres, mais il y a une quantité d'argent qui est censé disparaître dans un cas de kidnapping que monsieur a collaboré ensemble pour le faire. Et heureusement, moun ki t'ap mené ki te gen légitimité ça, c'était la mort sans jour malgré que li même li pas présent physiquement. Mais c'est via ti soldat yo, c'est li même, c'est chauffeur, c'était soldat même qui t'ai accompagné dans machine nan, convoi te gagné deux moun là-dedans mesdames messieurs. Qui s'est passé? Vite l'homme innocent, c'est moun ki t'ap coordonné mouvement qui t'ai gagné espace de surveillance yo. Et qui côté comment et monsieur te gagné un profil stratège dans gros coup ça que t'as pas fait là. Mesdames, messieurs, depuis quelques temps combat qui engendré en bas entre messieurs, c'est combat côté gagné plusieurs nèg qui tombaient, soldats qui tombaient dans les deux camps et me débat un chiffre avant-hier qui était allé au 14 8 mesdames, messieurs pour la mort sans jour et 7 pour vie de l'homme. Eh bien, je veux dire même, je suis capable de donner un chiffre de affaire de 32 soldats qui perdent la vie dans la bataille ça, qui pratiquement, malheureusement, ils n'ont pas finalement calé à tout le corps. Qui s'est passé? Pour qui ça, il y a une grosse fragilité comme ça? Qui s'est la cause que le pays est obligé d'un niveau ça? Pas étonnant, je vais voir tout le détail. Je garantis que l'objectif, c'est pas fort peu marcher. Ni peut prendre la rue, ni peut attendre les nouvelles qui sont passées dans la Coupe Port-au-Prince. Mais non, mais c'est plutôt chercher pour informer, dans plus bon niveau, permettre qu'on comprenne ce qui a passé dans le pays. Si ce n'est pas nous-mêmes qui campons pour empêcher qu'on continue à passer, malheureusement, nous allons connaître un moment qui est très difficile. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Qui j'en ai? Est-ce qu'il y a campé? Est-ce que tout le monde est en forme? Je suis sûr que par rapport à la nouvelle dans le pays d'Haïti, ou même qui à l'étranger ou elle pas bon et ça ou même qui en bas ou elle plus pas bon du tout. Nous décidons, mesdames, messieurs, nous pas de les faire émission hein, malheureusement sous dossier ça. Mais là m'a réfléchi, moi dit il y a des dossiers que me parler sur le plus, il y a des dossiers que me montrer c'est il y a un dossier plus difficile que ça. Et puis je me dis, bon, finalement, il faut que moi, je suis là. Et je me dis, bon, je vais avancer avec l'information que j'ai. Et c'est des informations qui sont tellement assez difficiles, confidentielles pour monsieur. Là, on prend la route comme ça, on est obligé, les gens qui là, qui ont informé ou qui ont cherché information pour vous. Vous obligez, mesdames, messieurs, malgré tout, vous protéger ou pas capable tout son gain dans l'information, puisque monsieur, vous devrez pour information vous cacher. Vous n'avez pas de gros bagaille, plus gros mal, on est à fond, on est qui m'a dit, c'est fuiter information que le gagnant l'a essayé protéger pour pas gagner de difficultés. Mesdames, messieurs, vite l'homme innocent avec monsieur Lamont Sanjou, c'est deux bons amis au terrain. Le secteur démocratique et populaire fin permettre que monsieur Sayo vite l'homme traverse et admettre qu'ils sont gang vrai. Monsieur pas gagner support. Et y a un monde qui était support monsieur, c'était la mort sans jour par rapport avec ou par rapport sous demande yon Jamine qui était dans prison. Et bien, mesdames, messieurs, le vite l'homme fin entré, il y a qu'on comprenne les deux amis, il a parlé, il a avancé, prêté monsieur Zam, d'ailleurs, monsieur, c'était toujours un cob, mais il était une difficulté à armer munitions, il peut trouver un couloir, parce que la majorité des couloirs aussi des bandits. Et bien, mesdames, messieurs, et une la cause, bah la mélange. Et puis, n'a y'a une relation
nous avons fait tout le ensemble. On a kidnappé une cap fait entre autres frères. Nous avons entré tabac et quoi de bouquet. Nous avons entendu. Et on a fait une faille. Même gens, par exemple, dans le village, nous avons entendu une gravine. Si vous avez fait une faille, vous connaissez que le village qui fait une gravine fait. Et puis, mesdames, messieurs, nous avons une bataille comme ça. Mais tu n'as pas avancé comme ça matin, midi et soir. La veille pour les difficultés, c'est tout de suite après l'arrestation. Alors, nous faisons un retour à zéro pour me permettre de comprendre. La veille arrestation, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti endiablé sur Katsama Ozo pour qu'on qui s'attaque à fait. Mais, étant donné que vite l'homme conscient que il est en prison le derrière mais un chef actif à savoir Lambosanjou, eh bien ça qui pousse négio entrer dans bagaille ça plus c'est parce que au tirer quoi que il une d'avoir une légitimité à directement pour le chef et parce que ça m'a aussi divisé. Vite l'homme, il y a un contrôle collègue. L'autre n'est pas géré, l'autre n'est pas petit, il y a un gaspillage. Il y a un contrôle. Le gaspillage avance plus tôt. Le gaspillage parle plus tôt. Et puis, s'attendre à ralenti, Jean, il y a un temps avancé. Et puis, mesdames, messieurs, c'est de là, par le grand cassure entre eux, l'homme s'en joue et vite l'homme. Qui pratiquement pourrait permettre que les gens aient un problème. Et le problème a commencé effectivement les 400 Marozo envahis Bidouaye, qui pratiquement a pris le bat pour mettre mon quoi de bouquet de yon, et puis vite l'homme te trahi la mort sans jour avec Chien Méchant, parce que j'aime toujours aimer dire nous, ennemi ou ses amis. Ou. Donc, Nego pour te mourir. Malgré ça, la bosse en joue Kembe, vite l'homme bac à chef. D'ailleurs, vous avez entendu, mesdames, messieurs, sous question, qui d'ampine ça m'a parlé. Moi là, il fait son haut fonctionnaire dans l'État. Et c'est dans l'État, bon, dans l'État, puisque les capteurs pour blanc américain, c'est pour l'État capteur. Et puis, mesdames, messieurs, l'argent mal séparé entre monsieur. Donc, l'argent pas séparé comme ça devrait. Donc, les hommes du Vité l'homme sont frustrés. Et l'homme s'en joue qui connaît qu'il a été trahi déjà par cette personnalité ou cet homme-là. Donc, et il connaît qui sentiment au tout gagné. Et dans le moment, ça, monsieur, dans le marron, dans le dernier niveau, la cache colle. Eh bien, mesdames, messieurs, ils ont quand même, ils ont fait effort, ils ont botté l'argent. Ils ont pris comme là, et heureusement, vite l'homme bat au bout. C'est bagage ça qui va engendrer plusieurs batailles. Depuis presque deux semaines entre l'homme sans jour et vite l'homme. Oui, bon bataille de territoire, effectivement. Pour prendre plus de territoire en bas parce que n'y a pas de et qui contrôle les mines, les zones, les zones bacaraïe, les zones ambassade pour voir qui ça est capable de faire. L'homme qui contrôle l'espace là, lui paraît aussi simple et bizarre. Donc, 400 mois vous fâchez, bataille pétée pour l'argent, pour l'espace là. Eh bien, mesdames, messieurs, ça nous vit aujourd'hui. Hein? Et ça nous vit aujourd'hui là. C'est guerre entre bandits. Et vous avez terrible. Leur bon équation, ou bon machine police qui a venu, yon pas quitté bouche d'amnant sous l'autre. Yon tout les deux pointés sous la police après ça, y a entendu. Y a continué bataille. Voilà un exemple fait par les groupes armés. Et ceci, la police tellement faible. Dans l'incapacité, malgré sa passe en bas,
il pas qu'apparaître main une main tout pas qu'à tout font porter mourir la ramasser yo puisque il y a pas de volonté politique, il y a pas de volonté à l'intérieur même de la police et il y a pas de volonté par de la part de la population qui est capable de propulser la police dans la bataille ça. Eh bien, mesdames, messieurs, pour son bataille, va continuer en bas, vite l'homme, vite prendre et déjà entre eux, gang et gang, il y a 32 soldats qui perdent la vie. Hein? De qui est-ce pour le compter, qui est-ce que le papa conduit? Dans l'agenda de Brian Nichols, depuis là, depuis avant d'y venir en Haïti, il était temps qu'il faut rencontrer Fritz Jean de Montana, il faut rencontrer Steven Benoit de Montana, et parallèlement, il rencontrer avec Magali de Nicomo, également tête syndique. Donc, en fait, l'équipe de Montana. J'ai entendu, en fait, ce matin, que ce syndic à l'émission Grand Boulevard sur Radio Caraïbe, il a précisé que Brian Nichols rencontre au APA, Green by Green, et puis ensuite, ils font réunion avec eux tous. C'est comme si nous avons dit que M. Nichols est rentré en Haïti spécifiquement pour rencontrer le groupe Mondana. Le groupe Mondana, madame, monsieur. Comme son visite de deux jours, maintenant, attend de voir à la fin de cette journée, de ce jeudi 13 octobre 2022, qui l'autre monde que l'a rencontré sur le terrain de la société civile, également de la classe politique ou du moins de la classe des affaires en Haïti. Bon, bah, nos informations pour nous comprendre, pour nous comprendre bien. Tout ce qui se passe là en Haïti, il y a une famille qui est au centre de tout ça. C'est la famille Clinton. Tout ce qui a passé là dans le pays là, ok, une famille qui est autour de tout ça, c'est la famille Clinton. Donc en fait, c'est la famille démocrate. Et je dis, Ariel Henry, qui est-ce Ariel Henry capable de dire qui c'est véritable opposant pour lui? Qui est-ce Ariel Henry capable de dire qui c'est en fait groupe qui représentait l'opposition pour lui? Eh bien, je dis, à l'arrivée de M. Brian Nichols en Haïti, c'est confirmé, il vient de confirmer que la seule opposition que Ariel Henry a en face lui, c'est le groupe de Montana. Mais c'est craché sur l'opposition. Non, attendez. Non, mais n'a pas analysé ça, fait me dire non. Les Américains n'ont aucune compréhension de la crise actuelle en Haïti. De Brian Nichols, avec l'agenda que le dégain, l'agenda que c'est seulement Mounta pour l'encontrer, comme dit Mangue, ça va pas le dire. C'est confirmé que États-Unis d'Amérique confirmé que la seule opposition qui est en face à Ariel Henry, à Dr. Ariel Henry, c'est le groupe de Montana. Bien compté, mal calculé. Et ce matin, à l'émission de débat, m'a dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Maintenant, enfin, nous connaissons pour qui ça tout que c'est Montana. Et je dis à regarder des marches, Brian Nichols, il faut comprendre tout que Lavalas a goumé pour prendre contrôle de la situation. D'ailleurs, est-ce que le groupe Montana n'est pas un groupe à dominance Lavalas? Parce que Fritz qui a se lié. Lavalas. C'est Lavalas. Hein? Voltaire qui a se lié. Lavalas. Lavalas. Moun qui en bas, même qui en bas table, qui a poussé pour Montana, qui a souhaité, c'est Farajus, qui a Farajusier. Lavalas. Moun qui a souhaité, étoile là en bas table là, qui a souhaité, Maris Benet, qui a Maris Benetier. Lavalas. Comprenez bien, madame, monsieur, de Fonan Miloé. Moun, Jean-Bertrand Aristide, monsieur. Je dis à Karine André, petit Gerslier, petit Farajus, qu'on est lié. Dans le cabinet, Clinton. Je dis à Ariel Dominique, petite caissière, petite Maris Benet, côté lié, département d'État Washington. Karine Jean-Pierre, qui moun lié, Zami moun zayo. C'est Montana, c'est Montana. Faut comprendre, madame, monsieur. Maintenant, faut en comprendre. Écoutez, en politique, c'est sorte qui baille, c'est qui baille. Maintenant, si l'autre n'a qu'à faire politique ici, il n'y a pas aucun ancrage dans l'international, il n'y a pas aucune crédibilité dans l'international, c'est pas fort Montana. Si l'autre n'est qu'à faire politique là sur le terrain, il va pas faire lobby, il va dépenser l'argent pour faire lobby pour eux.
sur le plan international, en particulier à Washington, c'est pas faute Montana. Mais la seule chose, prends Montana seulement pour un dénouement de la crise en Haïti, m'a dit ne pas jamais sortir de la crise. Bien compté, mal calculé. On continue pour nous, madame, monsieur. C'est pour me dire nous, Montana que nous là, alors, c'est bon, pas comme ça. Avant d'arriver okay? là, tout, Ron Brands, Nicole, et monsieur qui confirmé, il y a 16 personnalités dans le monde économique et politique. Correct. Il y a coupé visa. Il y a coupé visa. Donc, il confirme le lien. Mais il va pas avec nous. Il y a un. Ok. On a vu une chose tout à l'heure. Non, monsieur, by gouvernement liste. Oui, il est by liste. Ouais. Ok. Mais monsieur confirmé by moun société civile. Correct. Il y a 16 personnalités. Correct. Dans le monde politique là. Qu'il remette là. Qu'il remette. Qui a financé gang. Ok. Ok. Qui a toute l'orbeille. En ABIA. Dans toutes les autres bases. Mais qui finance ce groupe. Qui finance ce ça dans la gala. Dans la gala. Ok. On a vu une chose tout à l'heure. On nous était dans la question Montana. Madame, monsieur, il y a un monsieur qui s'appelle Andy Levin. Son député, madame, monsieur, au Congrès américain. Il y a un monsieur qui s'appelle Gregory Mix. Son député au Congrès américain. Gregory Mix, c'est lui-même qui est président section chargée des relations internationales pour le Congrès dans la Chambre des députés. C'est monsieur Sao avec, bien entendu, d'autres bras haïtiens qui conseillaient pour te monter Montana. Et ils ont joué un support. Gregory Mix, le député, les membres du Black Caucus. Et dans le Black Caucus, ils ont joué Maxime Waters, qui c'est Lavalas. Ça fait maintenant, nous, matin, est-ce que Lavalas n'est pas vu là? Et Lavalas a vu en pile pour prendre contrôle de la situation. Mais ça qu'a fait là, madame, monsieur. Mais ça qu'a fait là. Mais! Les prochaines élections aux États-Unis, les élections de mi-mandat, nous allons regarder ce qui va passer. Et ça fait nous croire que quand on marche les pressés qui prend là, pour qu'on décision qui prend avant les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis, parce que je dis, il n'est pas évident que démocrates prennent contre la Chambre des députés. Jamais. Donc également Chambre Sénat, madame, monsieur, au Congrès américain. Si les démocrates ne prennent pas contre lui, eh bien, pas bon menti, toutes données vont changer. Tout quand tu as parlé sur le dossier Haïti. Ça veut dire que maintenant, on nous entre qu'on y a la caille nous. Montana est censé diviser. Très divisé. Pas de l'autre la Sylvain Benoît. Ou elle dit côté. Il prend position contre Fridjan. Ouais, l'autre côté, Fridjan côté. Ok. Nous songez. Tête syndic on côté. Correct. Et avec puis, Magali Romo. Magali on côté. Ok. Ça veut dire que ça pas de l'autre que Sylvain Benoît. Proposition contre Fritien. Lila a déclaré là, il dans tous les réseaux sociaux. Et moi, ainsi qu'on les rencontre tout séparément. Séparément. Maintenant, madame, monsieur, Montana est divisé. Ok? Maintenant, on y a Fritien lui-même qui a un comportement. Il continue de faire travailler avec la femme en tant que président. D'ailleurs, c'est son droit, hein, en tant que président. Et vous venez jouer une tête syndic avec Magali Denis Komo qui ont leur côté. Maintenant, comment Jodia, et Jodia, on nous garde sous balance là, que représente Montana Jodia dans la rue? Rien. Il y a un poids dans la rue. Qui ça Montana représente dans la rue? Rien. Ton question m'a posé. Jodia, madame, monsieur, ça pas que l'on t'en a manqué l'inche si vous venez dans la manifestation. Ça pas que l'on t'en a manqué tout hier si vous venez dans la manifestation dans Port-au-Prince. Magali Komo Denis dans la manifestation. Magali Denis Komo dans la manifestation. Alors, il va Magali, il va Magali habitant, non? Magali de Nicomo. Athlétique. Sportif noir. Sportif, oui. Comment dire, là? Sportif noir. Sportif noir? Oui, oui. Et Magali? Oui, Magali habitant, pas Magali. Ça qui est couru pour Kale, Bois Kale. Oui, Bois Kale, oui. Et Bali. Ok. Donc, Magali de Nicomo, il y a un athée. Quoi, là? Fritz, il y a un athée. Et bon. Il y a un athée, oui. Maintenant, comment aujourd'hui, là? Ok? Brian Nichols, États-Unis d'Amérique, présenté Montana comme alternative. Madame, monsieur. À la crise. À la crise. Ça dit, madame, monsieur, nous faisons carré, un problème. Parce que, écoutez, laissez-moi vous montrer comment il y a incompatibilité de l'approche. Incohérence. Incohérence. Qui est-ce qui a Alain Henry? Alain Henry, c'est Magali de Nicomo. Oui. C'est la même équipe qui a fait
2004 ensemble. Même bagaille, Zamitaille. Zamitaille. Oui. Donc, ou pas qu'à retirer Ayan Henry du panier de Montana. Et comme si vous retirez le problème, non? On va mettre le même problème. Le même problème, non? Et qui a sauté avant? Pas de solution. Il y a des opposants face à Jovenel Moïse. Et je dis à ceux qui ont pris le pouvoir. Je dis que si vous êtes pour le pouvoir, si vous êtes en opposition face à Jovenel Moïse, il y a le pouvoir, je dis là. De qui dialogue n'a parlé entre eux? De dit le matin. Maintenant, nous gardons l'incompatibilité. Entendez, M. Texan dit ce matin à l'émission de Caraïbes. Montana a demandé Blanc, il a demandé Nichols pour Ariel Henry démissionner. Ariel Henry a demandé intervention. Montana a dit que sa pièce, c'est renforcé pour renforcer la police nationale. Montana menacé pour traduire Ariel Henry par devant la Cour de justice. Madame, monsieur. D'abord même, Ariel Henry sont imbéciles. Donc Ariel Henry, par quoi c'est comme ça? Pour quitter que Montana, là, ok? Sous demande de Blanc, et puis pour vous aller, pour évoquer, pour faire démissionner. Donc Ariel Henry, par quoi c'est bral? Pour Montana, pour pouvoir, comme lui menace pour passer devant la Cour de justice, pour lui-même la répondre question, devant la justice pour question assassinat président Jovenel Moïse. Ariel Henry demande intervention. Montana dit le même bagage comme ça, pas d'intervention. Donc elle dit là, qu'on incompatibilité de l'approche. Donc pas besoin de consensus. Donc si Américains pensaient que seul consensus qui a mis le pays à dehors, son consensus entre Montana et Alari, écoutez, c'est un échec déjà. C'est la moitié de nos peuples haïtiens. Ça va mettre nous en crise plus fond. Il va fourrer le pays, il va entraîner le pays en crise qui est plus raide. Parce que Brian Nichols est arrivé en Haïti, il va repartir sans un accord. Excusez-moi, si la bien accord, vous dites. Parce que d'abord, niveau crise là, comme peuple haïtien, comme nèg qui a fait politique ici, problème pour mon papa sauveur, comme de fait nous avons Jésus-Christ, et Jésus-Christ est arrivé, mais les Jésus-Christ qui te payent, faut le guider au bagaille. Faut le guider au bagaille. Est-ce que Brian Nichols parle de ton accord? Non. Déjà. Il présente Montana comme la presse, la véritable opposition face à Ariel, c'est pas vrai. Écoutez, sauf fait de Pen, sauf fait de Joseph Lambert du Sénat, sauf fait de Youla Tortu, sauf fait de Kadoa, sauf fait de Campeleta, sauf fait de tout autre monde, madame, monsieur, qui goumé, qui Campela, sauf fait de Bouclier, sauf fait de Moïse Charles. Montana pas gagné monde, et tout le monde est là, il y a plus que Montana. Montana pas gagné monde. Qui moun Montana ka met dehors? Qui moun Montana ka sensibilise dans le pays? Qui moun ki ka tende Montana? Sauf de moun sa que pays a pratiquement quelque part tende. Montana son courant là. Qui mobilisation que Montana ka fait? Écoutez, moi même ça fait mal pour Fridjian. Et si tout moun Montana te connaît, si te doué rallié à Fridjian. Vous écoutez, matin débat. Te doué rallié à Fridjian, madame, monsieur. J'ai dit que c'est mal parti. Donc pas qu'aucun jour, madame, monsieur, pour nous sortir de cette année là. Parce que Brian Nichols parle de sortir là, il va sortir avec moi encore. Qui a quoi? Donc, souvenez-vous, il faut venir au bagage, il faut sortir ton bagage. Est-ce que là? Il a venu imposer son bagage tout. Mais qui s'est imposé là? Non, là, justement, ouais. Il est venu imposer Montana. Ouais. Mais lui, il n'est pas passé, c'est ça? Non, il n'est pas passé. Brian Nichols est venu pour imposer Montana comme la seule opposition face à Henry. Ça, c'est pas vrai. Ça va passer, madame, monsieur. Est-ce que la question de l'entrée des classes a été abordée par Brian Nichols? Est-ce que la question du déblocage de terminal Vareux, est-ce qu'elle est abordée par Nicolas? Non. La question de la sécurité, non. Ah. Mais c'est. Où est, c'est sécurité, le choléra. Mais ça me dit oui. Où est, il seulement concerne la question de sécurité, gang et puis choléra. Choléra. Moi-même, pour moi, dimension, que moi, bah, Nicolas, bah, choléra, moi-même, bah, ça n'a pas eu. Il veut jusqu'à même dire, ça a affecté la République Dominicaine également la région de la Caraïbe. Mes amis? Écoutez, monsieur, ok, ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et je vous le dis ce matin. Papa, il sait pas prendre ça encore. Parce que ça n'a pas de résultat. J'ai dit, madame, monsieur, ou pas, je vais vous le dire. Et ceci, c'est le bonne guerre. Moi, je vais continuer à faire manifestation. Le Sénat a continué de composition, bien que le Sénat pas grand-pile tant que le rété. Et je dis, on dit. On dit que Montana a un consensus avec Ariel Henry dans le cadre pour Ariel Henry démissionner, qu'on a poussé Montana seulement des pouvoirs. Avec quelle légitimité?
Alors, obéi. Obéi. Parce que Montana dit que il va vouloir. Montana dit qu'il va vouloir rien. Vous d'accord? Ok. Si Montana dit que il va vouloir rien. Ok. Blanc dit que ça va. Ariel Henry, déposez, retirez la main, retirez de la table. Comment Montana va le diriger? Avec qui légitimité Montana va le pouvoir? Composer avec le Sénat, c'est pas pour faire plaisir à Lambert ni également aux autres sénateurs. Parce que c'est seul Sénat qui est capable de garantir un minimum de légitimité. À quel que soit pouvoir. À quel que soit pouvoir, madame, monsieur, pour remplacer Ariel Henry. Si ce n'est que le conseil des ministres, ministre a bonne décision pour remplacer Ariel Henry, madame, monsieur. Ou bien un coup de force qui vient obliger Ariel Henry à quitter le pouvoir, madame, monsieur. Parlant de coup de force, il y a des gros bagages qui passent dans le palais national. Nous connaissons. Vous connaissez qui est gros bagage qui passe dans le palais national là. Nous de ça déjà. Moi, je suis danger pour Joseph Lui. Moi, je suis danger pour Joseph Lui. Moi, je suis danger pour l'administratrice du palais national là. Il y a pas de ça, qui est-ce qui a dit ça? Moi, administratrice. Hey, vous connaissez? Attendez. Administratrice. Je ne sais pas. Administratrice du palais national là. Est-ce qu'on a un bon attel qui est entré dans le bureau? Ok. Et vous l'avez sorti? Et voyez nous, administratrice et palais national là, moi. Vous connaissez? Parce que l'important, comment ça me reçoit à bouler? Est-ce qu'on est? Je ne veux dire là, palais national, presse éclaté. Regardez. Regardez, je dis avant d'en parler, madame, monsieur. Hey! Administratrice, palais national là, n'importe qui matin à battre dans le palais national. Je vous parlez de battre. Eh bien, pas battre. Il y a un fichier. Il y a un bill. Est-ce qu'on est hier? Matin là, madame, monsieur. L'effectif au palais national n'est pas au complet. La parlé de 1200 hommes. Les gars, ça m'a encore, les gars, ça m'a. Parce que les policiers et les GPN, ils ont décidé de venir encore parce qu'ils n'ont pas venu manger. Hier, ils font journée pour manger. Administratrice là, ils font spaghetti pour eux qui arrivent à 9h du soir. Les gars, ça m'a dit là. Comment bien? On est qui sous poste? Qui fait poste, qui a vu en palais? Il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à manger. Il fait journée pour manger hier. Administratif, ça comment le voyez non pour moi. OK. Administratif ça. Voyez font spaghetti pour nèg à 4h d'après-midi, spaghetti apparaît à 9h du soir. Spaghetti. Matin débat. Alors faut que me dire que chef opération son salope tout. On pas chef opération et puis pour choisir pour d'accord pour spaghetti pour nèg à 9h du soir. Ah non, chef qu'est-ce que chef opération pas voyez non moi. Il y a plusieurs chefs d'opération. Je ne connais pas. N'est-ce qu'il cherche des spaghettis? Ah! Nous parlons, monsieur, madame, de la situation. Elle dit que, non, moi, je pense que. Je pense que. Il y a une mauvaise lecture. Que les Américains ont fait de Haïti. De situation. Elle arrête. De son très mauvaise lecture. Une très mauvaise lecture, madame, monsieur, de la situation. C'est-à-dire, là, le calme pas encore qui est là. Des capitaines pour quelques jours. Parce que population. Ok? Population, pas continuer, pas qu'à continuer comme ça. Parce que écoutez, il y a les forces en présence sur le plan politique. Ou pas qu'à démarrer de force. Je dis à cette situation pays là, d'ailleurs, toute précaution que le Joseph Lambert a pris là. D'abord même, Joseph Lambert n'a pas de cap pour pouvoir pour côté. Mais les bonnes précautions. À mettre tout le monde sous table, dialoguer, parce que lui, reconnaît force chaque entité. Yo. Parce que reconnaît force chaque entité, yo, madame, monsieur. Qui a un niveau à un autre, tu fais des sacrifices pour goûter aujourd'hui. Ok? Pour pas gagner le champ libre. Donc, alors, malgré que, quand pile de rive que le fait, madame, monsieur. Elle dit que la situation nous là, nous pouvons absorber là-dedans. Ah, oh, mon mari. Ah, non. Non, à son monde. Souhait, qu'est-ce que non, d'ailleurs, mon mari. Non, il va mauvais, mon même. Non, souhait ça, non. Madame Adat, non. Oui. C'est parce que vous n'avez pas le cobla. Sorti là. Ah, non, monsieur, vraiment oui. Ça. Non. Service traiteur. Non, monsieur. Alors, il va pas le cobla. Il va pas le cobla. Donc, madame Adat. Ouais. C'est madame Adat. Non, ça, son bon monde. Ça, son très bon monde. Souhait ça, vous me dites que tu manques moi, c'est parce que monsieur n'a pas de l'argent. Ah, ok, vous voyez le moment là, madame Adad. Ok. Monsieur, souhait, elle va faire souhait. Madame Adad, pas bail. Passez le bail, comme là. Si madame Adad. Non. C'est même, j'ai l'impression que ce n'est pas madame Adad qui baille spaghetti. Correct.
Hein, j'ai l'impression que c'est service traiteur avec bail. Service traiteur avec spaghetti. Bah, spaghetti hein? Maintenant on est là. C'est parce que pas une gobla. Il va rien l'argent. Non non, madame n'a pas fait bail ça même. Non, ça c'est mon vraiment qui tout traité policier très bien en tout cas. OK, donc maintenant madame monsieur son dossier n'a pas suivi ça donc à l'émission matin là. Mais ça qu'a passé là. Ouais, demain matin à demain d'homme c'est demain vendredi non. Pas qu'on kenje pour ngonde mais meilleur madame monsieur. Donc États-Unis rentre dans jouette là côté que écoutez, il n'y a pas comme ça l'affaire. Les Américains, comme si ils ont vraiment ignoré mais c'est ça qui a passé dans le pays. C'est peut-être voulu. Ou bien est-ce que c'est voulu? C'est voulu. D'où c'est passé tout haïtien en bêtise? C'est passé tout haïtien en bêtise. C'est ça que je me dis, il y a des gens qui ont une responsabilité. Nous ne pouvons pas payer pour ce niveau sans faire mon tête avec nous. Mais non, normal, il n'est pas possible, madame. Mais nous sommes en doctrine. Nous sommes en doctrine. Mais nous sommes en doctrine. Au moins, il y a une information. Mais c'est juste que tu as fait là. Hein? Ah non. Vous connaissez, ils sont d'accord, c'est jouet. Oui, c'est moi qui t'en ai fait. Oui, moi j'étais parce que pour ils ont honné. Je voulais vous dire là, j'ai un pays à là. Moi, je ne pense pas payer à fermer net. Moi, je ne pense pas tout fermer net. Je pense que fermer tout fermer net. Parce que je vous dis là, face à ça, il n'y a pas de solution qui arrive à joindre. Non. Nous faisons contre l'eau, bail, virer tout le monde, manifestation. Pas de Montana qui a fait beaucoup de choses. Ouais, sérieux. Ok, maintenant officialiser Montana comme si c'est l'opposition face à réel, parce que c'est peine perdue. D'ailleurs, Montana, les gars intégral, l'équipe de Lavalas, il y avait un billet là, et c'est normal oui, que Lavalas a voué pour beaucoup de situation, c'est normal. Ok, mais là, dit Montana, on tient équipe tatou qui n'a secteur privé là, qui grappe avec Lava, avec Montana. Non, c'est. Donc, il va gagner deux peuples pour qui grappe avec lui, là aucun rapport avec peuple. C'est le gros lot du secteur privé des affaires. Très bien. Fernando Montana, de vous dit Montana ou du secteur privé des affaires. Yeah. Ok, déjà dit que Fernando Matrelem, elle dit que le peuple n'a gagné pour jouer là. Mais ça, pour qui l'a fait? Qui l'a tout non bagaille la population? Qui la population pour être capable de venir nos bagailles? Peuple a été dans le menu, frère. Donc ça dit c'est encore le secteur privé des affaires. Claire, mon cher. Avec la balance, plus toute l'équipe Washington. Il y a un café là bien et puis je vais essayer de bosser ça. Comment il va faire passer là? Qui je même temps, je connais qui je vais faire passer, qui je vais faire atterrir. Vous devez dire tout à l'heure, ça va aggraver Chris. Il va aggraver Chris, Esaü. Et c'est pas là où il arrive tout. Parce que Esaü, ça qui est là, madame, monsieur? Qui ça peut pas ici à chercher aujourd'hui? Peut pas ici à chercher travail. Il chercher meilleures conditions de vie. Il chercher sécurité. Il chercher moyen pour qu'il y ait de l'école. Il chercher manger. Il chercher gasoline. La chercher que le prix manger au baissé. C'est ça, peuple a chercher. Mais nous, ça qui là? Côté parti, peuple là, il est là. Dis-moi qui est bon. Côté parti, peuple là, il est là, madame, monsieur. Non, ça qui là, côté parti, pas peuple là, il est là. Non, ça qui là? Vous avez dit que nous travaillons là, tout à l'heure, Fernando. Nous travaillons, ok? Pour nous enfoncer tête nous beaucoup plus. Pour nous enfoncer tête nous davantage dans la boue sentie. Et m'a toujours dit nous que Blanc pas gagné la vie faire pour nous là. Blanc pas gagné la vie faire pour nous là. D'ailleurs, ça qui a passé là bon pour Blanc. Parce que son cas, puis vient ça a besoin de partir pour le pays. Et m'a toujours dit, pas jamais quelqu'un qui connaît qui ça Ariel Henry by Blanc. Qui ça le signé pour Blanc. Pas qu'une personne qui connaît. Peut-être que nous là, nous sommes contre pas de bonne gabrique. Et puis, ils mettent les pieds sous Kounou. Et puis, ils pèsent nous dans la boue. Et aujourd'hui, des politiciens haïtiens qui n'ont pas courage pour sa fête. Monsieur Brian Nicholas, et je ne sais pas combien tu as fait encore en Haïti. Et j'espère que les gens qui sont ambassadeurs. Ok? Tu as vu un rapport pour ça. Pour ça, nous disons ici à l'émission de débat. J'espère. Bon, peut-être que tu as peur tout. Parce que les haïtiens peuple. Bon? J'espère que mon ambassadeur t'a voué là où. Conseil que nous avons matin, nous avons débat. Deux sénateurs viennent par la peuple. Rentrer dans deux sociétés civiles là. Aller parler à différents, à syndicats pour nous faire passer dans le pays. Là. Monsieur Van Nichols, deux sénateurs sous béton, à l'enquête. Viens parler avec mon gars dans la presse. Aller parler avec mon gars dans la société civile. Viens parler avec syndicats pour connaître sa réalité pays. Organisation de base. Viens parler avec eux. Pour qu'on dise la réalité haïtienne, mais où tu as mené pays là, pas qu'aucun résultat qu'on vienne. Parce que Montana ne veut pas tout faire. Montana. Nous sommes sous lui, madame, monsieur. En tout cas. Fernando, comment est-ce? Je salue Zahir. Je salue le Fidon Désir, malgré que pas là. Je salue malgré tout.
m'a salué PDG Radio A, et m'a salué tout personnel Radio A, et m'a salué les haïtiens. Et le coup, m'a attendu avec un peu d'attention, je dis ça, et moi, c'est que l'émission va sur l'émission historique. Merci en pile. Si on m'a raté, je vais raté en pile bagaille, en pile information, en pile analyse faite, et analyse de correct. Je me félicite au Loukoum, je me félicite ce passe-là, suite au débat pour l'émission ça. Et une intervention, je me suis déplacé, nous avons dit d'aller. Très bien, pas de problème. C'est sûr, c'est vrai que monsieur n'a pas haut territorial, non, mais pas oublier que Haïti fait 1771 km de côte. Très bien. Nous sommes états côtiers. Et que la convention d'ici 1982, la convention ça c'est lui-même qui traitait frontières maritimes. Et que Haïti lui-même était traité frontières maritimes depuis 1894.